Bonjour et bienvenue sur Dark Taco Gaming pour la suite de Just, en ce 10 octobre pour Halloween et mon anif aussi. Bienvenue. Alors vous avez pu le voir, il y a des épisodes de Danganronpa entre les épisodes de Just Nordem. Je n'étais pas au courant que j'allais faire ça à la base. Du coup, soyez indulgents, regardez les épisodes de Just Nordem en même temps que les épisodes de Danganronpa. SVP. Danganronpa, besoin de vue. Non, parce que je dis. En fait, là pour l'instant, il n'y a qu'un seul épisode de Danganronpa qui est uploadé et qui est visible le jour où je fais ça. Donc je finis Justin Orlem étant donné que je les ai fait avant. Normalement, les trois épisodes, je les ai fait d'une seule traite. Pourquoi est-ce que. Bon, bah c'est toujours. C'est en French, donc ça devrait aller. Donc voilà. La dernière fois, nous étions dans un avion qui a été. Dont tout le monde. Tous les passagers ont été dévorés sauf moi. Brie. Bréa, voilà. On y va. Je ne vois rien de spécial. C'est un grill. Fabriqué en France. Le grill. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux rien faire avec ça. Un tas de caisses. C'est intéressant. C'est inscrit fragile. Je me demande ce qu'il y avait dedans. Rien de spécial, je ne peux rien faire avec ça. Bréa, après tout ce qui s'est passé, je voulais te dire que je commençais vraiment à t'apprécier. Marc, ne commence pas à me dire ça maintenant. Après tout ce que nous avons survécu, tu réagis comme ça à la fin? Qui sait, c'est peut-être tout. Je n'ai rien à dire. Je pourrais même pas l'ouvrir, je ne vais pas là-bas. Bréa, attends ici, je reviens sous peu. D'accord, je termine d'avoir ma cigarette. Je sais pas si c'était ces voix-là que j'ai fait. Bien, nous y voici. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ça, Bréa. Peut-être que Dave comprendra, j'espère. D'abord aller voir Dave. Dave? Dave, c'est moi, Marc. Ok. Quelle voix lui faire à Dave? J'aimerais bien faire la voix de Lucio, mais je sais pas la faire la voix de Lucio parce qu'il a vraiment la tête de Lucio. T'es en retard? Attends. T'es en retard? Oui, 2 minutes. Tu connais mes règles, Marc. Si t'es en retard, alors il y aura pas d'accord. Tu sais quoi? Au diable tes règles. Ceci est plus important que ton refus d'exister. Marc, il n'est pas nécessaire de se comporter comme ça. Je sais que c'est important pour toi, mais rappelle-toi que t'es dans ma maison. Donc, tu vas écouter mes putains de règles. T'es d'accord? Ouais. Bien! Bon! As-tu tout réglé? As-tu amené la fille? J'ai amené la fille. À quel âge est-elle? Environ la vingtaine. Un peu jeune, mais elle fera l'affaire. Dave, je suis plus si sûr que ça. Marc, si tu continues de tomber amoureux de ces femmes, comment allons-nous faire pour ramener ta mère? Je sais pas. Amène-la, que je puisse l'examiner. Ok, je reviendrai bientôt. Bah, je reviens de suite. Voilà, après tout ce qui s'est passé. Merde. Ok, Bréa. Allons voir Dave. Marc? Oui? Je veux juste te dire merci. Tout va bien, Bréa. Merci d'être resté avec moi. Il est difficile de trouver des amis dans ce monde. Quand tu n'as rien. Ok, Bréa. Allons-y. Ah, vous êtes tous les deux ici. Et qui pourriez-vous être? Elle s'appelle Bréa. Ne peut-elle pas parler, Marc? Je peux parler. Alors elle peut. Marc m'a dit que vous souhaitez en savoir plus sur ces monstres. Oui, j'aimerais en savoir plus. Ils semblent me suivre maintenant. Nous sommes venus ici en quête de réponses.
Et vous allez obtenir ses réponses. Maintenant, où devrais-je commencer? Moi et Marc, nous connaissons depuis que nous étions petits. Nous étions les meilleurs amis, n'est-ce pas, Marc? Oui, nous l'étions. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Ça a à voir avec tout. Voyez-vous, mon père travaillait à la compagnie pharmaceutique Neon Pharma. Il travaillait sur un médicament qui pouvait réactiver le cerveau après la mort. Seulement si le cerveau était encore intact, bien sûr. Toute la mémoire du propriétaire original serait toujours là. C'est comme s'il n'était jamais mort. Cependant, seul le cerveau pourrait se réactiver, pas le corps. Outre, vous ne devez pas réécrire le code génétique des cerveaux. Alors, quel est le but si le corps ne fonctionne pas? Il n'y en avait pas, mais mon père a trouvé une façon. Il a conçu des coquilles pour contrôler le cerveau, comme des humains robotiques pour être exact. Ils ont reproduit tous les organes et structures humains. Ils les appellent les jiwis, nommés d'après ma mère. Les monstres que vous avez rencontrés sur les coquilles. Mais s'ils ne sont que des cerveaux qui contrôlent ces coquilles, pourquoi mangent-ils des gens? C'est pour cela que des sujets de test ont été utilisés. Seules les fonctions de base du cerveau ont été les premiers à être réanimés. Ce qui signifie manger et dormir. Mais ils apprennent remarquablement vite. Mais pourquoi concevoir ces coquilles pour être capable de faire de telles choses? Vous rappelez-vous maintenant quand j'ai dit que Marc avait tout à voir avec ça? Ouais. Voyez-vous, mon père était un homme noble, un homme respectable, honnête et loyal. Même les meilleurs des hommes ont leurs défauts. Mon père dormait avec sa mère. Enfin, mon père couchait avec sa mère. Mon père était trop aveuglé par son travail. Il ne l'a même pas remarqué. Ma mère l'a quitté peu de temps après. Nous avons tous les deux perdu quelque chose ce jour-là. Mais mon père a été perdu dans sa folie. Il a conçu les Jiwi en ses monstres. Juste après avoir tué les tiens, Marc. Après avoir appris la vérité. Marc, tu m'as dit que tu l'avais tué. C'est un mensonge de Dave. Je sais que je l'ai tué. Comment pourrais-je? Je n'étais jamais là-bas. Marc, c'était l'erreur de mon père, pas la mienne. C'était malheureux pour ta mère. Marc? Mais nous pouvons mettre un terme à cela, Marc. Régler les choses correctement. S'il vous plaît, restez pour la nuit. J'ai une chambre d'hôte à côté. Marc? Rien, je suis désolé, je t'ai menti. Je peux te dire quelque chose? À propos de pourquoi je suis là? Il y avait une raison pour laquelle je voulais en savoir plus sur ces choses. Il y a environ 10 ans, moi et mon père avons déménagé ici. Nous étions à peine capables de faire face à la perte de maman et de la maison. Mon père était un homme bon, qui a fait de mauvais choix. Je me souviens, après être revenu de l'école un après-midi, il attendait dans la cuisine. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée. Nous avons parlé de choses concernant les adolescents, tu vois. Puis un grand bruit de casse. La dernière chose que mon père m'ait dit, « Bréa, cache-toi, et peu importe quoi, ne sors pas !» Alors ton père n'est pas Paris? N'est pas à Paris? Non, désolé de t'avoir menti, Marc. J'ai utilisé mon pseudonyme pour ne pas me sentir si mal à ce sujet. Tu as dit avant que tu voulais en savoir plus pourquoi. Je me suis caché dans la cheminée. C'était sombre, ils ne m'ont pas vu. Je les ai regardés frapper mon père jusqu'à la mort. Et il devait beaucoup d'argent. Il le battait pour un moment. Et j'ai entendu l'un d'entre eux dire « Laisse, Jackie Boy !» Laisse Jackie Boy l'avoir. Je pensais que je rêvais ou plutôt un cauchemardais. Je pensais que ces choses ne pouvaient pas exister jusqu'à ce que je te rencontre, Marc. Je l'ai regardé le dévorer, être dévoré par cette chose. Je suis tellement désolé, Bréa. C'est bon, Marc, je te fais confiance. Merci d'être là pour moi. Écoute, je sais que Dave ne dit pas la vérité. Je sais. Nous devons le faire avouer d'une manière ou d'une autre. Eh bien, peut-être que nous devrions fouiller pendant qu'il dort. Ce n'est pas une mauvaise idée. Il doit y avoir un endroit où ils fabriquent les jiwis. Tu sais, Marc, nous pourrions tuer un peu le temps. Comment? Sérieusement, t'as besoin d'un schéma ou quelque chose comme ça? Tu veux dire ce que tu as dit dans l'avion? Ouais. Mais ce serait plus proche du sol. Alors qu'en dis-tu? Bréa, je... Du sexe en 2D. Wow. C'était... Wow. Ne me dis pas que c'était ta première fois. Non, ça l'était pas. Je ne me rapproche pas habituellement des gens. Pourquoi? Tu n'aurais pas peur d'une fille quand même? Je crains qu'on les mange. Bon point. Ok, voyons ce que nous pouvons trouver. Il devait être endormi maintenant. Ok, je vais regarder au rez-de-chaussée. Rien de spécial. Il y a quelque chose sous le couvercle. Une carte clé rouge qui ferait quelque chose d'aussi dégoûtant. Insalubre.
rien de spécial. Je peux rien faire avec ça. Il y a un petit flacon ici. Ça dit pour commencer le processus d'accouchement, utiliser ceci. Processus d'accouchement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Dewey Experience 104, nom de code mère. Le sujet montre des signes d'agitation et d'agression sévère. L'hôte humain essaie de rejeter les nouvelles cellules du cerveau. Curieusement, il se fusionne avec le cerveau de l'autre pour former une nouvelle conscience. Ce n'était pas un seul être, mais deux dans un seul corps. J'ai nommé cette découverte la chimère Jiwi. On peut rien faire avec ça, c'est un tiroir vide. Étrange, j'ai ce tableau à la maison, mais je ne me souviens pas du tout du fait qu'il était noir. Il y a quelque chose, une sorte de balustrade derrière, mais je ne peux pas le déplacer, c'est bloqué par quelque chose. C'est une note. Si c'est la rose que tu cherches, tu auras besoin de bons outils. Il y a un livre qui n'a pas de couverture. Il me semble qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Une carte magnétique. Je me demande à quoi elle peut servir. Ordinateur de Dave. De toute évidence, toutes les informatiques. Sien dont je... Toutes les informations dont j'ai besoin sont ici. Et comme toujours, c'est protégé par un mot de passe. Attends, outils, j'en ai pas moi des outils. Formule A01G. Carte magnétique jaune, carte magnétique rouge. Statut si étrange, il manque quelque chose à son cou. Eh bien, ce n'est pas la chose la plus étrange que je n'ai jamais vue. Attends. Ici. Où es-tu allé, Bréa? C'était pas normal. Qui a une cage de taille humaine dans son salon? Quelques coups de câble. C'est toujours ça. Hein? C'est collé sur le panneau arrière. Ça peut tourner bizarrement. Quelque chose s'est ouvert. Ça ne coûte rien d'essayer. Il y a quelque chose ici. Un bijou. Qui met des choses comme ça ici? Il y a une note derrière l'arrière. Je t'ai eu, Marc. Une autre carte clé. À quoi sert-elle? La Resident Evil. Et il y a un style joyeux correspond. Comme dans tous les vieux jeux vidéo que j'avais l'habitude de jouer. C'est une grande porte. Comment Dave a-t-il pu faire tout ça? J'ai besoin d'une sorte de carte magnétique pour l'ouvrir. La carte jaune. Une si ça fonctionne. Ok, maintenant c'est bleu. Je dois trouver une carte magnétique bleue. Et voir si ça fonctionne. Ok, c'est rouge. Je dois utiliser une carte magnétique rouge. Voir si ça fonctionne. Maintenant, ça devrait... Vert, une autre carte clé. Putain, où j'ai trouvé une verte? Peut-être que j'ai raté quelque chose. Bleu et jaune. Je dois admettre que c'était intelligent. Voyons si ça fonctionne. J'espère que ça va marcher. Enfin! C'était pas si difficile à comprendre qu'il fallait mélanger les cartes, quoi. Étant donné que je viens de faire le tour de la maison. Par contre, ce qui m'intrigue... Voilà. Quelque chose que tu peux percevoir seulement dans les jeux vidéo. J'avais un code. Pour ce jeu. C'était le truc de septembre, non?
c'est où? Là, le 4 du 9 2000. Oui, mot de passe. What the fuck? C'est un lecteur de cassette. Bizarre. Y a pas de cassette dedans. Y a un lecteur de cassette dans un. Y a un message dessous. Terminez une fois que vous avez... Revenez une fois que vous avez terminé. C'est intriguant. Comment je fais pour sauvegarder déjà? S. Contrôle, Alt, non. Comment je faisais pour sauvegarder? J'ai voulu que cela arrive, ça. Mais ma mère est plus importante pour moi. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai tout à perdre. Mais Dave a dit qu'il pourrait la ramener. Et sans la coquille de Jiwi. Exactement! J'ai trouvé un moyen de fusionner l'ancien tissu cérébral avec un autre vivant. Il y a un petit problème. Qu'est-ce que c'est? Quand mon père a inventé le premier Jiwi sans coquille, il s'est passé quelque chose d'assez mauvais. Parce que l'hôte du nouveau tissu cérébral était encore vivant. Il est devenu... quoi? Ça va paraître vraiment idiot pour moi de dire ça, mais le sujet est devenu surnaturel dans un sens. Tu veux dire quoi par surnaturel? Le sujet a montré des signes de régénération à une nature anormale. Il pouvait également utiliser la télékinésie à un taux exceptionnel. Et... je devais le voir pour le croire, mais la téléportation. Il pouvait se téléporter à presque n'importe où dans un rayon de 30 mètres, bien sûr. Tout ça n'est qu'une théorie du journal de mon père. Mais j'ai remarqué des traits similaires dans le comportement du dévoreur de vertèbres. Écoute, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est récupérer ma mère. C'est tout ce qui compte. Rappelle-toi, Mark, une fois que le changement est effectué, il n'y a pas de retour possible. Elle ne reviendra jamais à ce qu'elle était. Attends, Mark, je suis pas si sûr. Nous voulons arrêter ça, Mark, si tu veux, Mark. Mais j'ai besoin de la formule que tu as. Cela utilise un équilibre neutre à produit chimique dans le réservoir. Ça détruira les anticorps qui aident à la fusion des cerveaux. J'ai pas besoin de ça. Ok, Mark, terminons ça. Dave, je ne veux pas le faire. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Je ne suis pas comme ça. Pas de problème, Mark. Ça va bientôt remettre les choses en ordre. Attends! Qu'est-ce que tu fais? Vois par toi-même. Pourquoi ne bouge-t-elle pas? Dave! Tu dois attendre quelques minutes pour que ça fonctionne, Mark. Ensuite, tu seras à nouveau avec ta vieille chère mère. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu n'allais pas passer à travers ça. Mark, je n'ai jamais eu l'intention de la laisser partir. Pourquoi? Quel intérêt sert-elle? Tout. Je sais où mon père a mal échoué pour la création de ton père. Je pensais que tu l'avais fait. Non, je l'ai réparé. Mon père était trop lâche pour l'assassiner. Après que ma mère soit partie, tout ce qu'a fait mon père était pleurer comme la petite mauviette qu'il est. Alors, tu as tué mon père, fils de pute? Putain, je vais te tuer! Souviens-toi de mon ami, je suis sûr que Bria l'aurait fait. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça que tu lui as fait? Bien sûr! Tu as transformé ta propre mère en un putain de monstre! Mon père était la seule personne dont j'avais besoin, mais j'en ai trouvé une pour ma mère! Tu es un putain de fou, tu le sais ça?
Non, je suis un putain de génie quand j'ai résolu le code menant à l'immortalité. Putain, donc... C'est donc de ça qu'il s'agit? La putain de célébrité? Bien sûr! Maintenant, sois témoin pendant que je donne naissance à la mort. Attends... Putain, quoi? Non! Rhea! Je sais que tu peux m'entendre, tu dois tenir le coup! Elle ne peut pas t'entendre pour le moment! Qu'est-ce qui lui arrive? Dave! Je ne sais pas... Ça dit que son tissu cérébral a fusionné avec l'autre, mais... Mais quoi? Elle ne se convertit pas. Waouh, c'est un troll. Non. C'est... Vous savez les trolls avec les cheveux... Non, Bréa! Dave, fais-la revenir! Je ne peux pas, Marc. Elle n'est plus, Bréa! Non! Ces indices montrent quelque chose. Quels indices? Elle essaye de communiquer, mais le cerveau envoie des messages erronés à la bouche. Je vais essayer de les rediriger. Marc? Bréa? Oh Marc, c'est moi, c'est maman. Maman? Maman, je suis tellement désolé pour tout. Je voulais pas que tu... Marc, tu as été un mauvais petit garçon. Maman? Elle devient instable. Que se passe-t-il? Maman? Marc. Marc. Tu as été un tel mauvais petit garçon. Tu n'as jamais écouté ta mère. Je vais te punir. Et quand je reverrai ton père, je m'assurerai qu'il subisse la même chose. Tu as eu trop d'occasions. Alors je vais t'enlever ta chose la plus précieuse au monde, ta vie. Tu la récupéreras quand tu te comporteras bien. Rappelle-toi, mon petit. Ne fais jamais confiance à quiconque pour réussir dans la vie. Surtout elle. Mauvaise fin, non! Oh, on a eu la mauvaise fin. Mais c'est pas grave, parce que vous savez quoi? Maintenant qu'on a eu la mauvaise fin, en n'utilisant aucune astuce... Je vais essayer de nous avoir la bonne fin... En refaisant le jeu entièrement et en ne prenant que la fin. Donc je vais juste enregistrer tous les changements que je vais faire par rapport à ça pour vous dire comment faire pour avoir exactement la bonne fin. Et en attendant, ainsi vous aurez un autre épisode de Just In Your Dem, et celui-là ce sera écrit bonus good ending et non pas comment. Parce que voilà, pour moi ça c'est la fin que j'ai eue en mode voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure sur Dark Otaku Gaming ou à la prochaine, ça dépendra quand vous regarderez ça. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Quant à moi, je vais continuer mon petit chemin pour que vos vidéos d'Halloween sortent à temps. A plus tout le monde. Je vous laisse avec le générique de fin. Où est mon truc pour couper le micro là? Ouh, apparemment on aura bientôt l'histoire de Bréa. Qu'est-ce que c'est? T'as dit qu'il y a un nouveau truc dans le menu. Ah, cassette. Bienvenue dans le menu des cassettes. Pour utiliser ce menu, vous devez trouver les deux cassettes restantes dans le jeu. Je vous donne la première, bonne chance.
Alors, le 4 septembre 2016. Excusez-moi, on n'ouvre pas avant une heure. Oh, je suis désolé de... Oh, je suis désolé de ma... de... comment... Oh, je suis désolé de m'introduire comme ça, mais je me demandais si je pouvais... comment... Si je pouvais vous parler. Je suis un reporter pour un journal local, et je voulais vous parler à propos de la tragédie qui est arrivée il y a 16 ans. Oh, vraiment? Oh, j'adore! J'adorerais dans le journal. Génial. Ça vous dérange pas si j'enregistre cet entretien? Non, pas du tout. Génial. Parce que j'ai déjà commencé d'enregistrer. Ah, je suis Marie, en fait. Ravi de vous rencontrer, Marie. Mon nom est Daniel. Alors, on commence. Ah, c'est génial de nous rencontrer, Daniel. S'il vous plaît, appelez-moi Dan. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me dire quand cet incident est arrivé? Ah ben, c'est un sujet plutôt difficile à parler. Et j'ai aussi perdu quelque chose ce jour-là. Je comprends. Eh bien, le pire en être sorti, c'était un... Enfin, le pire qui soit sorti de ça, c'était un gars appelé Marc. Vous voyez, je connais Marc, mais pas aussi bien que je le connais maintenant. Est-ce que c'est le même garçon dont la mère a été assassinée? Oui, c'est ça. Je ne connais pas son nom de famille, mais... Mais il n'était pas la seule personne à avoir perdu quelque chose. S'il vous plaît, continuez. S'il vous plaît, continuez. Si ça va pour vous. Oh, ça va. Ça fait longtemps. Vous voyez, ma mère... comment? C'est ma mère. C'était à ma mère qu'appartient ce restaurant. Elle était appelée après ma petite. Elle l'a appelée comme ma petite sœur Daisy. Et elle a disparu ce jour-là. Oh, je suis désolé. Mais c'est bon. Je peux toujours l'entendre parfois. J'aurais espéré que ce soit toujours là, Daisy. Elle était comment? Oh, c'était tellement une petite peste. Toujours à imiter les gens. Elle était super pour les imitations. Oh, elle regardait beaucoup la télé et mangeait beaucoup de bonbons. Ça a l'air d'être une bonne enfant. Oui, elle l'était. Je veux parler un petit peu plus à propos de Marc. Est-ce que c'est ok? C'est drôle que parce que vous venez juste de le manquer. Il était ici il y a pas trop longtemps. Vraiment? Pourquoi? Ben, il vient souvent. Il vient souvent tous les jours à cette heure, en fait. La chose la plus étrange aujourd'hui, c'est qu'il conduisait. D'habitude, il marche. C'est étrange. Et dites-moi, pourquoi est-ce que vous voulez en savoir autant à propos de Marc? Est-ce qu'il n'a rien dit? Ben, non, vraiment. S'il vous plaît, Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Il parlait de sa mère quand il est parti. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de sa mère? Ben, seulement qu'elle avait été assassinée par un monstre. Oui, attendez, comment vous savez ça? Marie, vous devez partir maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Cachez-vous! Dans les toilettes, vite! Ok! Attendez, lâchez-moi! Mais s'il vous plaît, arrêtez! S'il vous plaît! Je veux pas mourir! S'il vous plaît! Je suis désolé, Marie. Et Marc. Enregistré le 4 septembre 2016. Le nom de la cassette, Sœur. Waouh, intéressant. Donc, la prochaine fois, je lirai la cassette numéro 2, si ça ne vous dérange pas. En tout cas, je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Game, comme je l'ai déjà dit, à plus, et joyeux Halloween. Et pour moi, joyeux anniversaire.